Mois de février dernier, deux cyclones successifs sont passés sur l'île de Madagascar avec un impact énorme sur les populations. Plus de 300 000 personnes affectées. C'est tout d'abord un impact sur les habitations. Les cases traditionnelles sont principalement composées de bois. La plupart ont été détruites ou endommagées. C'est ensuite un impact direct sur les réserves de nourriture des personnes qui ont été détruites ou inondées suite à la montée des eaux. Également un impact sur les infrastructures, routes, ponts, qui permettaient aux personnes de se déplacer, d'accéder au marché pour se ravitailler. Et également un impact à plus long terme sur les cultures avec des terres cultivables inondées et beaucoup de champs malheureusement complètement perdus et donc une récolte à venir qui sera avec un rendement beaucoup trop faible.